Ce dîner, c'est un vrai moment de convivialité, puisque des partenaires d'un club, c'est à la fois des gens qui nous soutiennent au quotidien, mais on a un vrai affect et une bonne ambiance, c'est convivial, les gens s'entendent bien, passent une très bonne soirée dans un château fabuleux, et c'est une belle image, une belle dynamique pour ce début de saison, pour pouvoir donner la dynamique tout le reste de cette saison. Bah, c'est le dîner des vœux chaque année, c'est le dîner où il y a le plus de partenaires qui sont représentés, et pour nous c'est hyper important de continuer à fédérer autant de partenaires, en plus dans un lieu magique comme le château de Tresserve. Très très bien accueilli par le maître des lieux, rien à dire, c'est convivial, donc voilà, super, on se régale. Je trouve qu'on partage des valeurs vraiment alors très différentes sur le plan professionnel, mais j'allais dire sur le plan humain, des valeurs d'équipe, d'esprit d'équipe, d'ADN qui est très forte. On en parlait de fidélité. Nous, on en profite pour inviter des gens avec lesquels on travaille. Et à chaque fois que l'on a invité des gens maintenant depuis 11 ans pour voir un match de handball, les gens sont toujours ravis. Alors que l'équipe gagne, alors si l'équipe gagne, on est deux fois ravis. Mais si l'équipe perd, bah finalement, ils ont passé une très bonne soirée. Donc c'est vrai que le groupe MG est très attaché au club de Chambéry pour ses valeurs. Alors on a mis en place un partenariat avec la team Chambé depuis 2019, un partenariat qui touche à la fois vraiment le sportif avec le transport des joueurs quand ils vont en déplacement. On a un car aménagé confortablement avec tous les équipements nécessaires pour qu'ils puissent se déplacer dans les meilleures conditions possibles. Cette quatrième place, c'est vraiment la place qu'il faut qu'on aille chercher en fin d'année. On l'a déjà à la mi-année, on a vécu des matchs avec des moments de stress et de passion extraordinaires depuis le début de la saison, et j'espère qu'on va en vivre encore beaucoup plus sur cette fin de saison. Que le club de Chambéry travaille depuis longtemps avec ses partenaires, et c'est même à mon avis plus que des partenaires, de simples partenaires financiers. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très impliqués dans le club, et on peut le voir ce soir. Très fier de participer à ce genre de soirée et d'être dans ce genre de club. C'est un club historique, Chambéry, ça se voit aussi par ce qu'ils sont capables d'organiser, tout ce qui mobilise autour du club. Et nous, en tant que joueurs, ça nous montre aussi que voilà, on a du soutien derrière et que sur le terrain, on n'est pas seuls.